Salut à tous, quatrième défi de planage là où le vent s'arrête. Alors, les barrières de vent sont d'étranges anneaux animaux au travers desquels aucun vent ne passe, mieux vaut les éviter. Ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir des faux anneaux. Donc j'espère qu'ils sont facilement repérables, on va voir. On va voir ça tout de suite avec Ningguang évidemment. On est parti. Ok, pour l'instant pas d'anneaux, je faisais boule de sprint. Et j'aurais peut-être dû ramasser le tout. Quoi? Ah oui d'accord, carrément. Genre ça te propulse pas, ok. Mais surtout, ça t'arrête en fait, ça te ralentit. Oula, je suis trop bas, depuis le début je suis beaucoup trop bas. Attends mais il y a une médaille là non? Oh la vache. Ah oui carrément. Faut descendre au sol. Je suis vraiment bas là. Je sais pas pourquoi ni comment ça se fait. Après j'imagine, ça interrompt l'effet... Oh merde, il y a un truc. Ça interrompt l'effet lent si je fais un sprint. Faudrait voir, faudrait tester. Ah, pas sûr, c'est où? Bel défi. Là? C'est bon. Alors là, est-ce que je vais avoir l'or? Ah oui. Bon, c'est pas trop dur, hein. Bon, pour Ningguang, c'est un peu dur, j'avoue. C'est pas grave, reviens là, ça va bien se passer. Alors, les petites récompenses. Toujours. Est-ce qu'au début, je dois vraiment prendre tous ces trucs-là? Je suis sûr que ce soit vraiment fou ce que je viens de faire. Et regardez, ça m'a descendu. Pour une quelconque raison. Alors, ça, je prends pas. Mais là avec Venti tu commences, t'es direct assez haut en fait. Pour ça c'est craqué d'avoir des persos comme ça. Là je sais que je vais aller par là. Je vais créer un truc ici. Débloquer le défi de vent. Est-ce que je suis bien là? Je sais pas, je suis pas trop mal. Non je suis toujours trop bas. Ah là ça peut être pas mal hein. La strat. C'est fou. C'est fou cette strat. Je l'ai hein. Je l'ai, j'ai peut-être même les 3 sprints. Oh putain, presque. 3 sprints ça me permet de garder la hauteur hein. J'aurais pas perdu de temps sur ça. 2,43, ah je suis en retard. Je suis complètement en retard sur ça, ça sert à rien. Ah. Je crois que je tiens quelque chose. Vas-y, montre-moi. Est-ce que je suis bon? Pas du tout. Je l'ai à 44, même 43, c'est pas fou. Hein. Normalement, il me descend. Normalement, je l'ai lui. Je redescends pour la médaille. Je me fais pas taper par ce mec, sinon je meurs. Ce serait bête. Pas perdu de temps sur la fin, mais sur le début j'en ai perdu un peu, c'est le problème. Ok, on monte. On descend tranquillement. Là, pas besoin de claquer de sprint parce que j'ai encore 2 secondes avant de remonter. Nickel. Perdu quelques sprints, c'est pas trop grave, c'est la fin. Combien? 1,57. Pareil. Oh, je suis bien là. Enfin, j'espère. Ouais, ça va. Allez, prends-le. Ah, il a voulu. Oh, là, je suis pas mal. Peut-être faire 1,58. Faut pas que je rate ça, surtout. Maintenant. Sprint. Sprint. Accélération. Ah, ce mec là qui me saoule. Alors là, le truc c'est que je dois attendre tellement de temps.
C'est bon. 58. Ah oui, c'est bon. On y est. 34 160. Il est dur, hein. Dur à battre celui-ci, je pense. Avec les strats que j'utilise dès le début. Après, si vous avez 20, vous pouvez aller direct là, dès le début. Vous prenez un truc qui permet de sauter dans les airs. Et d'ailleurs, je peux en avoir un, moi. Je peux le craft. Ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça pour gagner une seconde? Alors, je suis au forgeron. Il faut que je fasse ça. Donc, il me faut encore des... What? Ça coûte tellement cher. Des graines d'ouragan. Ok, dernière fois que je fais ce boss. Comme ça, je vais pouvoir craft mon item. Et peut-être gagner une seconde ou deux. Et faire en 2 minutes mon parcours. Enfin, en 2 minutes. Que le timer soit pas en dessous de 2 minutes. Allez. Je vous ferai des petits guides comme ça. Sur comment tuer les boss facilement. Ok, donc j'ai des anémogranums juste ici. Et là, je les capture. Et de deux, est-ce qu'il y en a? Oui, un troisième juste ici. Faut que je fasse W. Normalement, ça me crée un champ de vent. Ok, go. Ah, c'est ça. Pas mal. On est bien là. Sprint. Oh, je suis très bien. Alors, ok, j'ai pas eu tous les sprints. Ouais. Je sais pas trop combien de temps ça m'a fait gagner, mais pas énormément. Après, regardez. Ça me servait aussi pour là. Ok. Bon, le premier est pas fou, j'avoue. Par contre, après, peut-être... Ah, quoique. Ah, impossible en combat. Non, non, mais c'est sérieux. Je voulais faire ma fiole, en fait, sauf que vu qu'il y a des mobs autour, ça dégoûte. Regardez, je me fais agresser par tout ça, là. Ça se passe quoi? La strat pour moi, ça va être d'enlever le planeur, de faire W, de refaire W et de monter à hauteur là où j'ai besoin de prendre une médaille. Et pourquoi je fais ça plutôt que ma touche montée? Simplement parce que pour la médaille d'encore après, j'ai besoin de ma touche montée. Et du coup, bah je dois attendre 2 secondes en dessous de la médaille et c'est ces 2 secondes là qui vont me servir à battre mon score. Voilà. Ah. Alors là en fait, ça ne marche pas. Donc au moins j'ai ma réponse. Mais ici je voulais, comme vous avez vu, activer mon champ de vent pendant que j'étais dans les airs. D'accord? Du coup j'aurais pris la médaille et derrière j'aurais ma touche montée pour la médaille là-bas. Et j'aurais gagné 2 secondes en fait. Sauf que ça ne marche pas. Ouais, du coup c'est un non. Ça fait 1 heure que je tente cette vidéo pour faire un truc et ça ne marche pas. Bon bah 34 160, j'ai essayé de leur battre, j'y arrive pas. J'ai essayé avec une fiole attrape-vent et ça a absolument pas marché. J'ai dû faire l'hypostase-vent pour avoir la fiole etc. Bon tant pis. Bon, en tout cas, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.